Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée. À la une de ce samedi, les habitants de la commune de Kalamu passent leur journée sous les odeurs des ordures ménagères qui ne sont plus collectées depuis pratiquement plusieurs jours. Des tas d'immondices partout, surtout au niveau de la place célèbre des artistes appelée Rond-Point Victoire. Ces habitants sont montés au créneau pour dénoncer. Vous les entendrez dans ce journal. Également au sommaire de votre 13h, ces images insolites. Plus de 150 boulettes de cocaïne en province à provenance de Brésil cachés dans des ventres par deux trafiquants âgés de 30 et 35 ans. Ils ont été interceptés à l'aéroport international d'Ndjili par le service des renseignements militaires grâce à l'imagerie médicale de l'hôpital de Kankokolo. On en revient dans un instant. Et enfin, marche de colère à Rubawa, hier dans le nord Kivu, avec de bêches, bâtons et autres instruments. Les habitants, majorité des créseurs, disent soutenir les efforts de la justice pour avoir mis la main sur le député Mwanga Chouchou, accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Reportage à suivre à la fin de ce journal. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la Radio-Télévision Nationale Congolaise. La Caisse nationale de péréquation bientôt opérationnelle. Le gouvernement appelé à activer la machine pour sa mise en œuvre. C'est l'une des décisions prises au cours du 10e conseil de ministres de la nouvelle équipe gouvernementale présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On écoute un extrait du compte rendu de ces conseils de ministres avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. Suivez. Rendu de la 93e réunion du conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 7 avril 2023 la 93e réunion du Conseil de ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté sur 3 principaux, à savoir 1. De l'opérationnalisation de la Caisse nationale des péréquations. Le président de la République a rappelé au gouvernement son engagement pris lors de la dernière conférence de gouverneurs tenue à Mbandaka en décembre 2022. Sur la nécessité d'impulser la Caisse nationale des péréquations et de veiller à son opérationnalisation afin de se conformer aux prescrits de la Constitution et de la loi portant organisation et fonctionnement de la dite Caisse. Le gouvernement devrait mettre à la disposition de cette institution les ressources financières indispensables tant pour son fonctionnement que pour les financements des différents projets d'investissement public qui auront pour objectif d'amorcer les processus de correction des disparités de développement entre les provinces d'une part et les entités territoriales décentralisées d'autre part. Pour le président de la République et dans le strict respect de la Constitution, la Caisse nationale de péréquation devrait sans relâche veiller à réduire les inégalités spatiales persistantes par marque de politique volontariste, à redynamiser les économies locales par la construction d'infrastructures publiques en soutien aux avantages comparatifs naturels du fait de la présence notamment des terres arables, de rivières et des cours d'eau favorables aux activités de pêche, à transformer les conditions et les cadres de vie de nos populations dans les zones jusque-là mal desservies par les infrastructures et les services sociaux de base. Le président de la République a instruit le ministre d'État, ministre du Budget, le ministre de la Décentralisation et Réformes Institutionnelles, ainsi que le ministre des Finances, sous la supervision du Premier ministre chef du gouvernement, d'agir chacun ce qu'il concerne pour l'opérationnalisation effective de la dotation en fonctionnement de la Caisse nationale de péréquation. Je le disais en titre, des images insolites. Plus de 150 boulettes de cocaïne en provenance de Brésil cachées dans le ventre par deux trafiquants âgés de 30 et 35 ans. Ils ont été interceptés à l'aéroport international d'Ndjili par le service de renseignement militaire grâce à l'imagerie médicale de l'hôpital de Kankokolo. Regardez.
Deux trafiquants de cocaïne en provenant du Brésil, dont les identités sont gardées secrètes pour besoin d'enquête, sont tombés dans le filet de service de renseignement militaire. Deux individus de sexe masculin, âgés de 30 et 35 ans, ont été interpellés à leur descente d'avion à l'aéroport international de Njili de Kinshasa. Soumis à l'interrogatoire, ils ont d'abord nié le fait mis à leur charge. Par la suite, ils sont passés aux aveux après la confirmation par l'imagerie médicale de l'hôpital militaire central du camp lieutenant-colonel Kokolo de l'existence de boulettes dans leur type digestif. Le premier a reconnu avoir avalé 80 boulettes de cocaïne et le second 72. Après avoir évacué une partie dans les latrines de l'avion le ramenant à Kinshasa, seuls 25 petits colis ont été récupérés de leur ventre par le service de renseignement des forces armées de la République démocratique du Congo. Selon les deux trafiquants, ils ne sont pas à leur première opération. D'habitude, ils bénéficient, d'après leur propre dire, de plusieurs complicités au niveau de l'armée, de la justice et du monde des affaires. Les investigations approfondies se poursuivent pour démanteler ces réseaux de trafiquants de drogue. Le chef d'état-major général des FARDC séjourne à Bounia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Le lieutenant général Christian Chiwewe est allé évaluer les opérations militaires. Bien avant, il était à Goma, au nord Kivu, pour la même mission. Plus de détails dans ce reportage de Joseph Oscar Balkaïch. Une première mission officielle dans la province de l'Ituri, celle du chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant général Christian Chiwewe Songesha, a eu droit à des honneurs militaires dignes de son rang. 2 heures de séance de travail avec les commandements militaires dans cette zone opérationnelle, Christian Chiwewe a donné des instructions claires aux hommes des troupes engagés sur la ligne de front en vue de restaurer l'autorité de l'État. Aujourd'hui, il est venu ici non seulement pour s'assurer de l'exécution des ordres et aussi contrôler, arriver sur place, contrôler, inspecter les unités qui sont ici présentes, communiquer avec les commandants tactiques opératifs d'abord que nous sommes et tactiques qui sont les commandants secteur et les commandants régiment. Et donc aujourd'hui, il a pu avoir, n'est-ce pas, toutes les informations par rapport aux approches que nous avons prises, notamment, comme vous le savez, l'approche militaire, l'approche non militaire. Et il a fait des correctifs aussi en tant que commandant. Il nous a donné des nouvelles instructions de sorte que les opérations puissent, n'est-ce pas, être menées à bon port. Le chef d'état-major général a effectué une escale à Goma dans la province du Nord Kivu. Christian Chiwewe est en mission d'évaluation des opérations militaires dans cette partie du pays. J'ai accompagné le chef d'état-major général pour l'évaluation des opérations conjointes du UPF, FARDC à Béni, donc dans le Grand Nord. Réarmement moral des hommes des troupes ainsi que l'organisation sur le terrain, tels sont les maîtres mots de cette mission de travail. L'un des pesanteurs habituels, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a effectué une visite surprise à la DGRAD. Jean-Pierre Liao s'est mis à l'écoute du personnel pour se rendre compte des conditions de travail, comme nous disent Nadine Kilocho, Cédric Yenina et Moké Maloma. Dans le but d'appréhender les problèmes que rencontrent les fonctionnaires à la source, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou a effectué une visite surprise le mercredi 5 avril à la direction générale de la DGRAD dans la commune de la Gombe. Quel honneur. Je viens vous surprendre. À l'occasion, le patron de l'administration publique a fait la ronde des bureaux pour échanger directement avec les fonctionnaires de l'État. Séance tenante, les cas d'injustice sociale jugés flagrants ont été pris à bras-le-corps. Des solutions et orientations ont été données par le VPM pour rendre justice au cas des fonctionnaires. Depuis 5 ans, il fait l'intérim, il n'est même pas payé dans le bureau. Déjà, il faut lui faire justice, très rapidement. Monsieur, vous appelez comment? Manu. Manu, notez le nom. Manu qui? Kakwata. Kakwata. Avant la fin de la semaine, il sera confirmé en interne, avant que le DG ne m'envoie son dossier pour la titularisation de la fonction. Merci. Félicitations. Merci. Très content, je me dis que ça c'est une visitation divine. Mais c'est comme un rêve, je me dis que c'est un don qui tombe du ciel.
Son Excellence est un don du ciel. Mais parce que ce qu'il fait, les autres ne l'ont jamais fait. D'abord, voir Son Excellence circuler dans les bureaux, on n'a jamais vu. Hein. Depuis 3 mois, le VPM Jean-Pierre Liaou avait pris la résolution de régulariser la situation des agents de la DGRAD. Et lors de cette visite, c'était l'occasion pour le VPM de faire le suivi. On va agir pour essayer de débloquer l'évolution de carrière, bloquée depuis plusieurs années, pour que chacun puisse être placé dans de bonnes conditions psychologiques, surtout au niveau des régies, parce que les régies sont au cœur même du redressement de l'État. Vous êtes en train de livrer une bataille pour la mobilisation des recettes. Il faut que nous puissions agir pour que vous soyez aussi dans des conditions psychologiques optimales. Pour la direction générale de la DGRAD, cette visite surprise booste le moral des fonctionnaires pour un bon rétablissement. Nous sommes déjà conscients qu'il est à l'écoute de ce que nous présentons comme problème des agents. Il a reçu nos listes concernant la titularisation des cadres. Il a reçu nos listes concernant la mécanisation de certains agents. Et depuis 3 mois, ils ont des numéros matriculés. Et donc, à la DGRAD, il n'y a plus de NU. Je peux le confirmer. Elle est devenue inspectrice aujourd'hui. Assainissement de la structure des prix des produits pétroliers. Les cabinets d'audit de Mazar, appelé à faire une évaluation, a présenté les résultats de son enquête de plusieurs mois au vice-premier ministre, ministre de l'économie Vital Kamerhe. C'était hier en son cabinet de travail. Sandra Nyangui, Guilain Kassou pour le reportage. Autour de ces tables, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe et les membres du cabinet d'audit Mazar commis à l'évaluation rigoureuse de la structure de prix des produits pétroliers sur toute l'étendue du pays. Après un bref aperçu de cette étude qui a duré 6 mois, les experts ont présenté au VPM Vital Kamerhe l'essentiel des résultats de leur analyse et les difficultés rencontrées avant de marteler sur les recommandations faites au gouvernement afin d'optimiser la gestion de l'aval pétrolier, précisément la fixation de prix à la pompe. Le rapport final, lui, sera déposé très prochainement. Après une écoute soutenue, le patron de l'économie nationale a remercié le cabinet d'audit pour le travail abattu. Il a aussi rappelé à ses interlocuteurs les attentes du gouvernement sur l'assainissement de la structure de prix des produits pétroliers à la lumière des meilleures pratiques observées dans les pays similaires, l'optimisation du potentiel fiscal du secteur de la distribution des produits pétroliers, l'amélioration de l'architecture de la structure de prix et le renforcement du dispositif institutionnel de suivi et évaluation de la politique du gouvernement en matière de fixation de prix de produits pétroliers. Il a été également demandé au cabinet d'audit Mazar d'intégrer dans le rapport final la série des recommandations formulées par les différentes parties prenantes telles que le ministère de l'économie nationale et des hydrocarbures ainsi que les opérateurs pétroliers. Je le disais également au sommaire, les habitants de la commune de Kalamo passent leur journée sous les odeurs des ordures ménagères qui ne sont plus collectées depuis pratiquement plusieurs jours. Des tas d'immondices sont partout, surtout au niveau de la place célèbre des artistes appelés Rond-Point Victoire. Ces habitants sont montés au créneau pour dénoncer. Ils se sont exprimés au micro de notre consoeur Béatrice Chacon. Suivez. Les immondices par endroits aux côtés des habitations dans plusieurs quartiers de la capitale est une situation on ne peut plus lamentable. Les ordures polluent l'air et ils sont à la base de plusieurs maladies dites des mains sales telles que la fièvre typhoïde, la fièvre jaune, la toux, le rhume, pour ne citer que cela. Autre conséquence grave des ordures, c'est l'entretien des moustiques vecteurs de la malaria qui tuent presque tous les jours les adultes et les enfants, y compris même les nouveau-nés. Un médecin donne encore plusieurs méfaits des immondices dans l'entourage. Nous appelons tout d'abord à la communauté tout entière et au gouvernement de bien sensibiliser la population, de passer à l'assainissement du milieu. Et la saleté là appelle les moustiques. Demeurer avec les immondices, la saleté de poubelles, ce n'est pas bien. Un résident de la capitale démontre combien il souffre de cette cohabitation. Nous ne cessons de nous plaindre concernant ces immondices. Nous comptons sur le nouveau bourgmestre
pour l'assainissement de cette partie de la capitale qui est le miroir de la ville. Nous payons chaque fois les frais de l'insalubrité, malheureusement, la poubelle demeure à cet endroit. Le bourgmestre de la commune de Kalamou promet la salubrité de cette commune. En principe, c'est l'OVD qui s'occupe pour faire le curage. Puis il laisse un peu le temps de séchage qui reviennent pour l'évacuation. Mais à savoir que la période elle est mal choisie, c'est une période pluvieuse. Et en tout cas, on est là pour servir cette population. La preuve en est qu'au niveau de la commune, on vient de se donner trois tricycles, trois pneus, toujours dans le cadre d'accompagner la vision du chef de l'État. Il est temps que tout le monde prenne conscience du danger qui nous guette lorsque nous dispersons des ordures ménagères et autres dans notre entourage. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Identification et enrôlement des électeurs dans l'aire opérationnelle 2 et 3. La CENI veille au grain pour le bon déroulement de ces processus. La rapporteure et le questeur adjoint de la centrale électorale se trouvent respectivement dans la province du Sud Kivu et dans le Haut-Katanga pour superviser les opérations. Teti Samba et Jéresto Fundje pour le reportage. Conduisant une délégation, le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Mme Patricia Ntsiamulila, est arrivée le jeudi 6 avril 2023 au Sud Kivu pour une mission de supervision managériale des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la ville de Bukavu. Aussitôt arrivée, elle a été accueillie par le personnel du secrétariat exécutif provincial du Sud Kivu. À l'issue d'un préalable échange avec le secrétaire exécutif provincial, Mme Patricia Ntsiamulila est allée présenter ses civilités au gouverneur de province, Teongwa Bidi Kassi, avant de débuter sa mission de supervision qui devra passer par la visite des centres d'identification et d'enrôlement des électeurs pour le compte de l'aire opérationnelle 3. De son côté, le questeur adjoint Mme Sévé Birimba Nobalumé s'est plié au même exercice dans la province du Haut-Katanga. À Lubumbashi, où elle est arrivée le lundi 3 avril 2023, elle a eu son premier contact avec le gouverneur Jacques Kabula Katwe pour les civilités d'usage. Occasion pour le questeur adjoint de la CENI non seulement de saluer son accompagnement à la réussite de l'opération de la révision du fichier électoral dans la province du Haut-Katanga, mais aussi transmettre les remerciements du numéro 1 de la centrale électorale de Nikadima Kazadi pour son implication dans l'acquisition de l'entrepôt de la SNCC. Par la suite, elle a visité quelques centres d'identification et d'enrôlement des électeurs en prenant langue avec les agents commis à la tâche pour les remobiliser et encourager avant leur fermeture définitive et le ramassage des kits d'enrôlement au cours de cette période de gestion des jetons remis à la dernière vague des requérants suivis du contentieux. Madame Sévé Birimba Nobalumé a suggéré au président des centres d'identification de mieux communiquer en rappelant aux requérants le temps restant en faisant plus usage de l'application permettant aux requérants d'enregistrer ses données biographiques en vue de permettre d'absorber le plus grand nombre. Deux milliers de catholiques de la planète étaient descendus dans la rue hier. Eh bien, c'est pour la traditionnelle procession du Vendredi Saint marquant la crucifixion de Jésus-Christ. Les chrétiens ont commémoré les souffrances et la mort du Christ à la croix. Jacques Kabwaba Mukumina Seduga a fait le tour de quelques paroisses. Regardez. Le Vendredi Saint est pour les chrétiens du monde entier un jour de jeûne. C'est le jeûne pascal qui commémore la passion du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. À travers les paroisses de l'archidiocèse de la ville province Kinshasa et d'autres diocèses en République démocratique du Congo, les chrétiens ont effectué le chemin de la croix pour commémorer les souffrances et la mort de Christ. Les vendredis saints comportent aussi la célébration de la passion du Seigneur. L'office a commencé par une liturgie de la parole dont la lecture principale a été le récit de la passion selon Saint Jean. L'évangéliste Jean nous met devant les yeux certains traits de la passion de Jésus qui est seul à avoir retenu la déclaration du gouverneur romain Ponce Pilate. Les deux premières lectures ont permis de saisir comment le Christ en croix réalise l'espérance d'Israël qui se confond avec celle de l'humanité. Jésus est le serviteur souffrant qu'il a fait de sa vie un sacrifice d'expiation. Il est le grand prêtre
qui s'offrant lui-même comme victime, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. La prière universelle est faite après l'homélie avec une solennité exceptionnelle dans un souci de n'oublier personne, car le salut opéré par le sang rédempteur doit atteindre les extrémités de la terre. Ainsi, c'est la gloire de la croix qui éclate dans cette célébration, car l'Église ne commémore pas la mort du Seigneur Jésus sans faire mémoire en même temps de sa résurrection. C'est par les bois de la croix que la joie est venue sur le monde. La croix est toujours mise en lien avec la résurrection. Le Christ n'est pas resté cloué au bois de la croix. Il est mort et ressuscité. Rappelons toutefois qu'il n'y a pas messe les vendredis saints. L'office de la Passion ne comporte pas de célébration eucharistique. Il n'y a donc pas de messe du vendredi saint, car l'Église est en deuil et il n'y a pas de consécration les vendredis saints. On donne la communion avec les hosties qui ont été consacrées la veille. C'est pourquoi on appelle l'office du vendredi saint messe des pré-sanctifiés. C'est historique pour le Kimbanguiste. La date du 6 avril marquant le combat de Simon Kimbangu, désormais inscrite parmi les journées fériées en RDC, le Kimbanguiste remercie le chef de l'État pour avoir réalisé leur rêve de tous les temps. Ils se sont exprimés au micro de nos reporters. On les écoute. Nous ne pouvons qu'être reconnaissants envers le chef de l'État pour avoir pris le courage de décréter cette journée fériée chômée payée sur toute l'étendue du territoire congolais pour que en fait, la RDC et ses populations connaissent la capacité et les valeurs culturelles que nous avons qui font partie de nos repères. Nous pensons que là où se trouve aujourd'hui le chef spirituel de l'église kimbanguiste, Papa Simon Kimbangu, qui a gagné son éminence à Brazzaville, il est très ému, je pense, avec tous les fidèles kimbanguistes du monde entier, ainsi que tous les Congolais et puis les Africains, parce qu'il s'agit d'un patrimoine national africain que nous sommes en train de commémorer ici, en tenant compte de toutes les diversités religieuses aussi, qui partagent pas notre religion, pas notre foi kimbanguiste, mais qui partagent aussi notre connaissance par rapport à notre culture congolaise, qui connaissent à peu près qui est Papa Simon Kimbangu, quelle était sa mission ici sur Terre pour l'homme noir, en particulier le Congolais. Cela éveille aussi les consciences occidentale ou puis la conscience aussi africaine, la conscience congolaise sur nos valeurs, sur Papa Simon Kimbangu et sur sa mission, sur sa lutte pour valoriser l'homme noir. Une marche de santé pour clôturer en beauté le mois de mars, mois de droits de femmes dans la ville de Kananga. Nous sommes dans la province du Kasaï central. Des milliers de femmes ont arpenté plusieurs artères de cette ville, une manière de démontrer leur engagement à poursuivre le combat du positionnement des femmes, comme nous dit Eddy Tchalakatala. C'était le 8 mars 2023, par une marche de soutien et de compassion, des compatriotes de l'Est de la République démocratique du Congo, puis un culte écuménique organisé sur la place de l'indépendance au centre-ville de Kananga. Les activités liées au mois de mars ont été bel et bien clôturées avec prompte ce mardi 4 avril 2023. Ceci à travers une conférence de bas tenue dans la salle polyvalente des 12 maisons hôtels. Nathalie Kambalalousse, directrice pays de la structure Femmes dans la main pour le développement intégral, circonscrit les cadres. Aujourd'hui, on ne pouvait pas clôturer le mois de mars sans retenir quelque chose. Ça veut dire qu'est-ce que nous allons sortir avec pendant tout ce mois. Voilà pourquoi le ministère du genre ainsi que la division ont organisé cette activité de clôture en une conférence de réflexion. Plusieurs activités ont été menées tout au long de ces mois avec l'accompagnement du ministère provincial du genre, famille et enfants, dont voici quelques-unes. Les activités ont été très nombreuses, entre autres les sensibilisations sur les thèmes de l'année en rapport avec le numérique, la paix, l'autonomisation des femmes et des filles. Cela à travers des conférences, débats. Le partenaire technique et financier représenté par l'UNFPA salue ici la bravoure des unes et des autres pour la réussite totale de ces activités. Notons par ailleurs que la ministre provinciale en charge du genre, famille et enfants, Rose Nkashama, qui a clôturé ces activités, a dans son discours rendu les hommages mérités au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le monde se tourne de plus en plus vers les numériques et les femmes de la province de l'Ituri se mettent déjà
À part une centaine de femmes vient d'être sensibilisées sur le rôle que jouent les numériques à l'heure actuelle. C'est un reportage de Jean-Richard Coilet. Femmes émancipées, autonomes, doivent incarner un leadership remarquable et responsable dans tous les secteurs. C'est l'objectif de la rencontre des femmes de la province de l'Ituri dans la chefferie de Zaki. La commissaire principale de la police de la circulation routière de cette entité a appelé les femmes à la prise de conscience. Nous félicitons les femmes qui ont participé pour comprendre la vraie valeur de la femme. Il y avait les lois portant l'émancipation de la femme, l'autonomisation de la femme en RDC et à la fin le leadership. Je vais lancer un message aux femmes d'avoir beaucoup de courage, de continuer, que ce ne soit pas pour la première fois. Il est vrai qu'on a dit, on a passé beaucoup d'années, c'est pour la première fois que ça peut se réaliser. Le courage qu'ils ont eu pour nous tenir la main pour réussir à ces événements. Alors ce même courage, je leur demande encore de faire ça d'avoir. Après demain ou les années à venir, nous voulons voir encore plus que ça. Actuellement, face au courant du numérique, la femme travailleuse du 21e siècle est appelée à maîtriser la digitalisation et ses exigences pour se conformer à l'heure. C'est une première de la province du Sud Kivu. La province accueille depuis le début de cette semaine le premier marathon dénommé Marathon Femmes Fortes. Plus de 250 femmes prennent part à cette course organisée par le ministère provincial de sport en collaboration avec la fondation Patrick Salamon. Suivez. 250 femmes, dont 112 filles, ont pris part au marathon dénommé Femmes en Forme, couru ce dimanche 10 avril sur l'artère principale de Bukavu. Organisé par la Fondation Patrick Salomon, le départ de ce marathon a été donné en deux temps au niveau des Feux Verts en Gouba par le chef des divisions provinciales de sport Pascal Mbilika. Les mamans ont pris les départs au niveau des Feux Verts et les filles à la frontière Rosizi Premier et le point de chute a été devant la maison Elila à la Botte qui abrite le bureau de la fondation. Le premier à franchir la ligne, c'est Madame Wabiwa Zawadi, suivie de Mademoiselle Aimée Melo. Les autres, la chargée du genre au sein de la fondation Patrick Salomon, Dr Chanceline Kialumba a loué la bravoure de l'initiateur de la fondation pour l'organisation de ces marathons Femmes en Forme, une manière pour lui d'accompagner les femmes dans la clôture du mois des droits des femmes. L'organisation a mis tous les dispositifs en place pour la réussite de cette grande cérémonie, notamment les Croix-Rouges, la police, une ambulance et des stands de ravitaillement en eau et fruits tout au long du parcours de plus de 5 km. Les lauréates ont reçu des congélateurs, des laptops, des réchauds, des écrans plats, des iPads et des thermos. Certaines lauréates ont reçu des médailles. La redevance audiovisuelle, on en parle pour la toute première fois à la Radio-Télévision nationale congolaise de la province Haute-Uele. À Isiro, le directeur provincial de cette station Damas et Solé vient d'organiser une séance débriefing à l'intention de son personnel. Suivez. C'est dans une séance à caractère pédagogique organisée en la rédaction centrale que le directeur provincial de la RTNC Haute-Uele, le professeur Damasé Solé-Kesolé Kaya, brief l'ensemble de son personnel sur les différents contours de la redevance audiovisuelle, question de permettre à tout le monde d'avoir la même perception sur cette grande réforme de laquelle dépend la survie de notre établissement public. Le discours sur la redevance concerne au premier chef le personnel de la RTNC. Est-ce comme ça que, conformément aux recommandations, nous étions obligés de pouvoir restituer à l'ensemble du personnel de notre station provinciale de la RTC pour tuer les contenus, ne fût-ce que synthétiques, de cette manière-là, pour permettre à ce que tous nous ayons une même compréhension de ce que l'on appelle la redevance audiovisuelle et que le législateur congolais a octroyé à la RTC pour lui permettre de trouver le moyen de se prendre en charge et de garantir sa survie en termes de fonctionnement, d'amélioration des conditions de travail et les conditions sociales du personnel.
De leur côté, le personnel de la RTNC Haut-Tuélé s'est dit satisfait de cette séance de restitution. C'est la toute première fois que nous vivons ce qu'on est en train de vivre là aujourd'hui. J'étais entré en ignorant. Là, je sors réellement en homme cultivé, au moins informé sur le plan prévévance. Nous avions beaucoup retenu en ce qui concerne cette rencontre concernant la restitution, la redevance audiovisuelle. Et pour finir, marche de colère à Rubawa, hier dans la province du Nord Kivu, avec des bêches, bâtons et autres instruments. Les habitants, en majorité des 13 heures, disent soutenir les efforts de la justice pour avoir mis la main sur le député Mwanga Chouchou, accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Suivez. Le député national Edouard Mwanga Chouchouizi est parmi les personnes qui ont maltraité la population de Rubaya dans les territoires de Masisi. C'est pourquoi vous nous voyez en pleine manifestation pacifique aujourd'hui pour saluer les efforts du gouvernement. C'est ce qu'exprimaient ces habitants qui étaient dans la rue ce mercredi à Rubaya Centre. Avec des fouets, des bêches et des pioches à main, la plupart étaient des créateurs artisanaux qui disaient soutenir la décision du gouvernement congolais suspendant toutes les activités d'exploitation minière de la société minière de Bisunzu dans la province Nord Kivu du député national Edouard Mwanga Chouchouizi qui s'accuse d'être en complicité avec ceux-là qui veulent balkaniser la République démocratique du Congo. L'incriminé, qui est aujourd'hui en détention dans la prison centrale d'Indolo, est cité parmi les manifestants des tortures, des coups et blessures graves, des meurtres que subissent la population de Masisi à travers les policiers commis à la gare de ces carrés miniers plus de 10 ans. Les organisateurs des manifestations veulent voir la justice faire son travail sans influence pour que les criminels soient sévèrement sanctionnés conformément à la loi. Nous Notons que ces manifestations ont eu lieu dans cette zone aujourd'hui sous menace des rebelles rwandais M23 qui n'ont pas été réprimés par qui que ce soit car les organisateurs tentaient d'atteindre la cible, celle de véhiculer son message. Et puis cette triste nouvelle avant de nous séparer, la radio-télévision nationale congolaise des nouveaux en deux, plus précisément la direction des infos télévision, le journaliste Luxon Kabala vient de nous quitter. Des suites d'une longue maladie à l'hôpital de référence de Kinkolé, les programmes des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. Et voilà, c'est par cette page noire que nous bouclons complètement ce journal de la mi-journée. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Jacques Kaboba Mukumina Seduga, réalisé par Patrick Koba, puis Latacha Machine, Jerry Mawassa et Héritier Katendi. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 19h à Nishimbalaka, 20h Nadine Kilosho, Mastadjabou. Au revoir.